Chers voyageurs, bienvenue dans mon humble demeure. Je vous en prie, entrez, faites comme chez vous. Installez-vous confortablement, n'ayez pas peur. Ne prêtez pas attention aux tableaux au mur. On dit qu'ils suivent les visiteurs du regard, mais ce ne sont que des légendes. J'espère que vous n'avez pas trop froid avec cette pluie battante au dehors. Installez-vous près du feu pour vous réchauffer et vous sécher. Je m'occupe de tout. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Comment allez-vous ce soir? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous êtes confortablement installé? J'espère que oui. Ça va bien? Formidable. J'ai été une très vilaine fille. Je ne vais pas tenir mes promesses ce soir. Je vous ai menti. Nous n'allons pas lire chez Philip K. Dick. Non. Ça manque de panache, ça manque de gothique. Non. Nous allons lire quelque chose d'un peu plus à propos. Nous allons lire chez Théophile Gautier, de Nouvelles Fantastiques. Merci à Zozo pour le prêt du livre. J'espère que vous n'aurez pas trop peur. Mais je suis là pour prendre soin de vous. J'aime jouer avec cet écho. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, mes bien chers adelphes non-binaires, nous voilà ce soir réunis pour une messe noire. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi, oui. J'ai égorgé 3 chèvres ce matin. C'était délicieux. J'ai choisi... Non, je n'ai pas chômé. En effet. Écoutez, les chèvres, c'est... Voilà, c'est symbolique, c'est emblématique. Je ne peux pas passer à côté des chèvres. Le point, merci. Bon. Je vais couper cet écho. D'armes à chien à la limite. Je n'ai pas accès à d'armes à chien, malheureusement. Merci Bac. Merci pour cette merveille. Ça s'écoute sans fin. Hein, c'est savoureux, je trouve. Très très savoureux. Du miel dans les oreilles, ça colle. Attention aux poils. Les sacrifiés des riches, plutôt, il y en a trop. Écoutez. Chacun sa méthode pour les messes noires, d'accord?
Excusez-moi, il y a un squelette qui sort du placard. C'est plus authentique. Pardon, je voulais dire. Félicitations, le squelette, exactement. Merci à tous les os de composer le squelette. Sans vous, il n'y aurait pas de squelette. Ah là là. Blague à part, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine en tout cas. Moi oui, et non, j'ai pas sacrifié de chèvre. Donc, comme j'ai dit, merci. Merci pour les 100 bits, Mahogany. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un zombie qui sort de sa tombe. Incroyable. Toujours les bons trucs. Toujours dans les bons coups, finalement. Alors, étant donné que c'est un peu un chouette dernière minute, Théophile Gauthier, bonne nuit. Je ne connais pas en détail les textes, contrairement à Kedic. J'en ai choisi un dont j'ai un vague souvenir, et les autres, je vais vous mettre à contribution avec les titres. Je vais juste vous demander un instant, j'ai quelque chose à récupérer dans la chambre. Je reviens dans une minute. Coucou Tratou, installe-toi, mets-toi au coin du feu et réchauffe-toi. J'avais pas coupé le son. L'embarras. Merci, Tratou. Merci beaucoup. Et bien voilà. Oula, c'est une autre ambiance. Oui, je me suis dit que j'allais prendre mon look le plus sombre. Cette robe, je la porte souvent, mais je ne prends pas toujours le nœud. Pas souvent le nœud. Si vous êtes sage, ce sera mon look tous les vendredis soirs. Ah, Comtesse Vampire, j'ai pas encore les fausses dents. Je n'ai pas encore mes dents. Et je ne suis pas Tatiana Maslany, je n'ai pas des canines naturellement très longues. Mais peut-être un jour. Peut-être un jour. Donc, comme je disais, j'ai déjà sélectionné une des nouvelles parce que j'ai des souvenirs de l'avoir lue. On aime aussi les t-shirts Pompas. T'inquiète. C'est gentil. Et la nouvelle en question, c'est la cafetière. C'est un texte qui date. C'est un texte qui date. Peut-être de 1831. Donc on est sur du presque 200 ans, là. On est sur un texte qui a 190 ans. Pour vous situer. 104... Allez. 191. Alors. J'ai un peu peur, ça fait longtemps que j'ai pas lu en stream. Et justement, ce que j'avais prévu à la base de lire les nouvelles de Kedic, c'était ce que je lisais à la base en stream pendant le premier confinement.
Si certains parmi vous étaient là, je ne crois pas, mais... Mais ouais, j'ai lu du Philippe K. Dick. Je faisais ça tous les jours, de 13h à 14h. C'était le rendez-vous quotidien. Je crois que les gens aimaient bien. Mais nous ne sommes pas là pour lire notre ami Philippe, l'homme qui aime les chevaux. Nous sommes là pour lire Théophile Gautier. Alors, c'est une nouvelle qui est parue dans le cabinet de lecture le 4 mai 1831, puis dans le Keepsake français Souvenir de littérature contemporaine. Nanana, oui, c'est pas... Bref, ça a été publié pendant 50 ans un peu partout. Donc, dès la première phrase, il y a une bonsoir, Kane. Dès la première phrase, il y a une note de bas de page. Je vais la lire quand même pour vous. C'est à propos du pronom je. Dans la cafetière, le jeu du narrateur n'est pas identifiable avec celui de l'auteur, mais correspond au personnage de fiction créé par l'auteur. Oui, bon, je vais pas vous lire les notes de bas de page si c'est ça. Hein. Donc. Vous êtes prêts? Vous avez pris votre plaid et votre chocolat chaud? Alors c'est parti. L'année dernière, je fus invité, ainsi que deux de mes camarades d'atelier, Arrigo Coic et Pedrino Borgnoli, ça commence très bien, Borgnoli, à passer quelques jours dans une terre au fond de la Normandie. Le temps, qui, à notre départ, promettait d'être superbe, s'avisa de changer tout à coup, et il tomba tant de pluie que les chemins creux où nous marchions étaient comme le lit d'un torrent. Nous enfoncions dans la bourbe jusqu'aux genoux. Une couche épaisse de terre grasse s'était attachée aux semelles de nos bottes, et par sa pesanteur ralentissait tellement nos pas que nous n'arrivâmes au lieu de notre destination qu'une heure après le coucher du soleil. Nous étions harassés. Aussi, notre hôte, voyant les efforts que nous faisions pour comprimer nos bâillements et tenir les yeux ouverts, aussitôt que nous eûmes soupé, nous fit conduire chacun dans notre chambre. La mienne était vaste. Je sentis, en y entrant, comme un frisson de fièvre, car il me sembla que j'entrais dans un monde nouveau. En effet, l'on aurait pu se croire au temps de la Régence, à voir les dessus de portes de boucher représentant les quatre saisons, les meubles surchargés d'ornements de rocaille du plus mauvais goût, et les trumeaux de glace, sculptés lourdement. Rien n'était dérangé. La toilette couverte de boîtes à peigne, de houppes à poudrier, paraissait avoir servi la veille. Deux ou trois robes de couleurs changeantes, un éventail semé de paillettes d'argent, jonchaient le parquet bien ciré, et à mon grand étonnement, une tabatière d'écailles ouverte sur la cheminée était pleine de tabac encore frais. Je ne remarquai ces choses qu'après que le domestique, déposant son bougeoir sur la table de nuit, m'eut souhaité un bon somme, et, je l'avoue, je commençais à trembler comme la feuille. Je me déshabillai promptement, je me couchai et, pour en finir avec ces sottes frayeurs, je fermai bientôt les yeux en me tournant du côté de la muraille. Mais il me fut impossible de rester dans cette position. Le lit s'agitait sous moi comme une vague. Mes paupières se retiraient violemment en arrière. Force me fut de me retourner et de voir. Le feu qui flambait
jetait des reflets rougeâtres dans l'appartement, de sorte qu'on pouvait sans peine distinguer les personnages de la tapisserie et les figures des portraits enfumés pendus à la muraille. C'étaient les aïeux de notre hôte, des chevaliers bardés de fer, des conseillers en perruque et de belles dames au visage fardé et aux cheveux poudrés à blanc, tenant une rose à la main. Tout à coup, le feu prit un étrange degré d'activité. Une lueur de blafarde illumina la chambre, et je vis clairement que ce que j'avais pris pour de vaines peintures était la réalité. Car les prunelles de ces êtres encadrés remuaient, scintillaient d'une façon singulière. Leurs lèvres s'ouvraient et se fermaient comme des lèvres de gens qui parlent, mais je n'entendais rien que le tic-tac de la pendule et le sifflement de la bise d'automne. Une terreur insurmontable s'empara de moi. Mes cheveux se hérissèrent sur mon front, mes dents s'entrechoquèrent à se briser, une sueur froide inonda tout mon corps. La pendule sonna 11 heures, le vibrement du dernier coup retentit et, lorsqu'il fut éteint tout à fait, non, je n'ose pas dire ce qui arriva. Personne ne me croirait, et l'on me prendrait pour un fou. Les bougies s'allumèrent toutes seules. Le soufflet, sans qu'aucun être visible lui imprimât le mouvement, se prit à souffler le feu en râlant comme un vieillard asthmatique, pendant que les pincettes fourgonnaient dans les tisons et que la pelle relevait les cendres. Ensuite, une cafetière se jeta en bas d'une table où elle était posée et se dirigea clopin-clopant vers le foyer où elle se plaça entre les tisons. Quelques instants après, les fauteuils commencèrent à s'ébranler et, agitant leurs pieds tortillés d'une manière surprenante, vinrent se ranger autour de la cheminée. Fin du chapitre 1. Je fais une petite pause pour boire. Alors l'impression de déjà vu, c'est peut-être parce qu'on étudie souvent cette nouvelle au lycée. Je crois me souvenir l'avoir lu en seconde. Moi aussi, en la lisant là, elle m'est familière. Ouais, la musique, elle suit l'intensité, mais parce que je suis en train de la composer en direct en fait. Je joue là avec ma main droite. Je lis de la main gauche et je joue de la main droite. Trop forte, votre pote. Je vais boire un peu. Chapitre 2. Je ne savais que penser de ce que je voyais. Penser. C'est parce que j'appuie avec mon pied. Ah. On dit que les déjà vus, c'est quand on se rappelle de nos vies antérieures. Et en réalité, c'est juste une réaction de la chimie du cerveau. C'est ton cerveau qui reboot et qui enregistre sa mémoire immédiate en mémoire à long terme. Et du coup, ce que t'es en train de vivre a l'air d'être un souvenir, alors que c'est en train d'arriver. La nouvelle, c'est La cafetière, de Théophile Gautier. C'est une nouvelle du 19e siècle. D'où le côté un petit peu à l'ancienne. Je ne savais que penser de ce que... Je l'ai refait. Je ne savais que penser de ce que je voyais. Et ce qui me restait à voir était encore bien plus extraordinaire. Un des portraits, le plus ancien de tous, celui d'un gros joufflu à barbe grise, ressemblant à s'y méprendre à l'idée que je me suis faite du vieux sort John Falstaff, sortit en grimaçant la tête de son cadre et, après de grands efforts, ayant fait passer ses épaules et son ventre rebondi entre les ais
étroit de la bordure, sauta lourdement par terre. Il n'eut pas plus tôt pris haleine qu'il tira de la poche de son pourpoint une clé d'une petitesse remarquable. Il souffla dedans pour s'assurer si la fourrure était bien nette et il l'appliqua à tous les cadres les uns après les autres. Et tous les cadres s'élargirent de façon à laisser passer aisément les figures qu'ils renfermaient. Petits abbés poupins, douairières sèches et jaunes, magistrats à l'air grave ensevelis dans de grandes robes noires, petits maîtres en bas de soie, en culotte de prunelle, la pointe de l'épée en haut, tous ces personnages présentaient un spectacle si bizarre que malgré ma frayeur, je n'ai pu m'empêcher de rire. Ces dignes personnages s'assirent. La cafetière sauta légèrement sur la table. Ils prirent le café dans des tasses du Japon, blanches et bleues, qui accoururent spontanément de dessus un secrétaire, chacune d'elles munie d'un morceau de sucre et d'une petite cuillère d'argent. Quand le café fut pris, tasse, cafetière et cuillère disparurent à la fois et la conversation commença, certes, la plus curieuse que j'ai jamais ouïe, car aucun de ces étranges causeurs ne regardait l'autre en parlant. Ils avaient tous les yeux fixés sur la pendule. Je ne pouvais moi-même en détourner mes regards et m'empêcher de suivre l'aiguille qui marchait vers minuit à pas imperceptibles. Enfin, minuit sonna. Une voix, dont le timbre était exactement celui de la pendule, se fit entendre et dit « Voici l'heure, il faut danser. » Toute l'assemblée se leva. Les fauteuils se reculèrent de leur propre mouvement. Alors, chaque cavalier prit la main d'une dame et la même voix dit « Allons, messieurs de l'orchestre, commencez. » J'ai oublié de dire que le sujet de la tapisserie était un concerto italien d'un côté et de l'autre une chasse aux cerfs où plusieurs valets donnaient du corps. Les piqueurs et les musiciens qui, jusque-là, n'avaient fait aucun geste, inclinèrent la tête en signe d'adhésion. Le maestro leva sa baguette et une harmonie vive et dansante s'élança des deux bouts de la salle. On dansa d'abord le menuet. Mais les notes rapides de la partition exécutée par les musiciens s'accordaient mal avec ces graves révérences. Aussi, chaque couple de danseurs, au bout de quelques minutes, se mit à pirouetter comme une toupie d'Allemagne. Les robes de soie des femmes froissées dans ce tourbillon dansant rendait des sons d'une nature particulière. On aurait dit le bruit d'ailes d'un vol de pigeons. Le vent qui s'engouffrait par-dessous les gonflait prodigieusement, de sorte qu'elles avaient l'air de cloches en branle. L'archet des virtuoses passait si rapidement sur les cordes qu'il en jaillissait des étincelles électriques. Les doigts des flûteurs se haussaient et se baissaient comme s'ils eussent été de vif argent. Les joues des piqueurs étaient enflées comme des ballons, et tout cela formait un déluge de notes et de trilles si pressées et de gammes ascendantes et descendantes si entortillées, si inconcevables, que les démons eux-mêmes n'auraient pu 2 minutes suivre une pareille mesure. Aussi, c'était pitié de voir tous les efforts de ces danseurs pour rattraper la cadence. Ils sautaient, cabriolaient, faisaient des ronds de jambes, des jetés battus et des entrechats de 3 pieds de haut, tant que la sueur leur coulait du front sur les yeux, leur emportait les mouches et le phare. Mais ils avaient beau faire, l'orchestre les devançait toujours de 3 ou 4 notes. La pendule sonna 1 heure. Ils s'arrêtèrent. Je vis quelque chose qui m'était échappé. Une femme qui ne dansait pas.
Elle était assise dans une bergère au coin de la cheminée et ne paraissait pas le moins du monde prendre part à ce qui se passait autour d'elle. Jamais, même en rêve, rien d'aussi parfait ne s'était présenté à mes yeux. Une peau d'une blancheur éblouissante, des cheveux d'un blond cendré, de longs cils et des prunelles bleues, si claires et si transparentes que je voyais son âme à travers aussi distinctement qu'un caillou au fond d'un ruisseau. Et je sentis que, si jamais il m'arrivait d'aimer quelqu'un, ce serait elle. Je me précipitais hors du lit, d'où jusque-là je n'avais pu bouger. Et je me dirigeais vers elle, conduit par quelque chose qui agissait en moi, sans que je ne puisse m'en rendre compte. Et je me trouvais à ses genoux, une de ses mains dans les miennes, causant avec elle comme si je l'eusse connue depuis 20 ans. Mais, par un prodige bien étrange, tout en lui parlant, je marquais d'une oscillation de tête la musique qui n'avait pas cessé de jouer. Et, quoique je fusse au comble du bonheur d'entretenir une aussi belle personne, les pieds me brûlaient de danser avec elle. Cependant, je n'osais lui en faire la proposition. Il paraît qu'elle comprit ce que je voulais, car levant vers le cadran de l'horloge la main que je ne tenais pas. Quand l'aiguille sera là, nous verrons, mon cher Théodore. Je ne sais comment cela se fit, je ne fus nullement surpris de m'entendre ainsi appeler par mon nom, et nous continuâmes à causer. Enfin, l'heure indiquée sonna. Là, la voix au timbre d'argent vibra encore dans la chambre et dit « Angela, vous pouvez danser avec monsieur, si cela vous fait plaisir, mais vous savez ce qui en résultera. » N'importe, répondit Angela d'un ton boudeur, et elle passa son bras d'ivoire autour de mon cou. Prestissimo, cria la voix. Et nous commençâmes à valser. Le sein de la jeune fille touchait ma poitrine, sa joue veloutée effleurait la mienne, et son haleine suave flottait sur ma bouche. Jamais de la vie je n'avais éprouvé une pareille émotion. Mes nerfs tressaillaient comme des ressorts d'acier. Mon sang coulait dans mes artères en torrent de lave, et j'entendais battre mon cœur comme une montre accrochée à mes oreilles. Pourtant, cet état n'avait rien de pénible. J'étais inondé d'une joie ineffable, et j'aurais toujours voulu demeurer ainsi. Et, chose remarquable, quoique l'orchestre eût triplé de vitesse, nous n'avions de besoin de faire aucun effort pour le suivre. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas mis le chat. Les assistants, émerveillés de notre agilité, criaient bravo et frappaient de toutes leurs forces dans leurs mains, qui ne rendaient aucun son. Angela, qui jusqu'alors avait valsé avec une énergie et une justesse surprenantes, parut tout à coup se fatiguer. Elle pesait sur mon épaule comme si les jambes lui eussent manqué. Ses petits pieds, qui, une minute auparavant, effleuraient le plancher, ne s'en détachaient que lentement, comme s'ils eussent été chargés d'une masse de plomb. « Angela, vous êtes lasse !» lui dis-je. « Reposons-nous. » « Je le veux bien, » répondit-elle en s'essuyant le front avec son mouchoir. Mais pendant que nous valsions, ils se sont tous assis. Il n'y a plus qu'un fauteuil et nous sommes deux. « Qu'est-ce que cela fait, mon bel ange ? Je vous prendrai sur mes genoux. » Fin du chapitre 2. La petite gorgée. Ça vous plaît ?
J'espère que ça vous plaît. J'aime bien les... Qu'est-ce que je dis ? J'aime bien l'écriture de Théophile Gautier. C'est... Comme vous avez dit, c'est très imagé. Sans faire la moindre objection, Angela s'assit, m'entourant de ses bras comme d'une écharpe blanche, cachant sa tête dans mon sein, pour se réchauffer un peu, car elle était devenue froide comme un marbre. Je ne sais pas combien de temps nous restâmes dans cette position, car tous mes sens étaient absorbés dans la contemplation de cette mystérieuse et fantastique créature. Je n'avais plus aucune idée de l'heure, ni du lieu. Le monde réel n'existait plus pour moi. Et tous les liens qui m'y attachent étaient rompus. Mon âme, dégagée de sa prison de boue, nageait dans le vague et l'infini. Je comprenais ce que nul homme ne put comprendre. Les pensées d'Angela se révélaient à moi sans qu'elle eût besoin de parler, car son âme brillait dans son corps comme une lampe d'albâtre et les rayons partis de sa poitrine perçaient la mienne de part en part. L'alouette chanta, une lueur pâle se joua sur les rideaux. Aussitôt qu'Angela l'aperçut, elle se leva précipitamment, me fit un geste d'adieu et, après quelques pas, poussa un cri et tomba de sa hauteur. Saisi d'effroi, je m'élançai pour la relever. Mon sang se fige rien que d'y penser. Je ne trouvais rien que la cafetière brisée en 1000 morceaux. À cette vue, persuadé que j'avais été le jouet de quelque illusion diabolique, une telle frayeur s'empara de moi que je m'évanouis. Fin du chapitre 4. 3, pardon. Fin du chapitre 3. C'est le temps. Chapitre 4. Lorsque je repris connaissance, j'étais dans mon lit. Arrigo Cohic et Pedrino Borgnioli se tenaient debout à mon chevet. Aussitôt que j'eus ouvert les yeux, Arrigo s'écria « Ah ! Ce n'est pas dommage ! Voilà bientôt une heure que je te frotte les tempes d'eau de Cologne. Que diable as-tu fait cette nuit ? Ce matin, voyant que tu ne descendais pas, je suis entré dans ta chambre et je t'ai trouvé tout du long étendu par terre, en habit à la française, serrant dans tes bras un morceau de porcelaine brisé. Comme si c'eût été une jeune et jolie fille. Par Dieu, c'est l'habit de noces de mon grand-père, dit l'autre en soulevant une des basques de soie fond rose à ramages verts. Voilà les boutons de strass et de filigrane qu'il nous vantait tant. Théodore l'aura trouvé dans quelque coin et l'aura mis pour s'amuser. Mais à propos, de quoi t'es-tu trouvé mal ? Ajouta Borgnioli. Cela est bon pour une petite maîtresse qui a des épaules blanches. On la délace, on lui ôte ses colliers, son écharpe, et c'est une belle occasion de faire des minauderies. Ce n'est qu'une faiblesse qui m'a pris, je suis sujet à cela, répondis-je sèchement. Je me levai, je me dépouillai de mon ridicule accoutrement. Et puis l'on déjeuna. Mes trois camarades mangèrent beaucoup et burent encore plus. Moi je ne mangeais presque pas. Le souvenir de ce qui s'était passé me causait d'étranges distractions. Le déjeuner fini comme il pleuvait à verse, il n'y eut pas moyen de sortir. Chacun s'occupa comme il put. Borgnioli tambourina des marches guerrières sur les vitres. Arrigo et l'hôte firent une partie de dames. Moi, je tirai de mon album un carré de vélin et me mis à dessiner.
les linéaments presque imperceptibles tracés par mon crayon, sans que j'y eusse songé le moins du monde, se trouvèrent représentés avec la plus merveilleuse exactitude la cafetière qui avait joué un rôle si important dans les scènes de la nuit. C'est étonnant comme cette tête ressemble à ma sœur Angela, dit l'hôte, qui, ayant terminé sa partie, me regardait travailler par-dessus mon épaule. En effet, ce qui m'avait semblé tout à l'heure une cafetière était bien réellement le profil doux et mélancolique d'Angela. De par tous les saints du paradis, elle est morte ou vivante ? M'écriai-je d'un ton de voix tremblant, comme si ma vie eût dépendu de la réponse. Elle est morte, il y a 2 ans, d'une fluxion de poitrine à la suite d'un bal. Pardon, j'arrive pas à tourner la page. Hélas, répondis-je douloureusement, et, retenant une larme qui était près de tomber, je replaçai le papier dans l'album. Je venais de comprendre qu'il n'y avait plus pour moi de bonheur sur la terre. C'est la fin de la cafetière. Ah, elle est dure, hein. Elle fait mal la fin. Je vais vous lire ce qui est écrit à l'arrière du recueil. Parce que ça parle pas des histoires, ça parle de Théophile Gautier. Et je pense que c'est intéressant et que ça informe un petit peu aussi cette lecture. On retient souvent de Gautier l'image d'un conteur chatoyant jouant avec une nonchalance sereine des prestiges du langage. Mais Baudelaire avait su deviner chez ce poète des apparences une intelligence innée de la correspondance et du symbolisme universel. Sous la légèreté des récits courts, la hantise du temps et de la mort. Voilà. Oh, Clive Barker. Je sais pas si j'ai envie de lire du Clive Barker. Je connais le bonhomme. C'est un autre niveau de terrifiant quand même, je trouve. Alors, du coup, je ne connais pas les autres nouvelles. Effectivement, celle-là, je la connaissais. Je vais vous lire les titres. Dites-moi s'il y en a qui vous parlent. Nous avons Onufrius, Omphale, La Morte Amoureuse, La Pipe d'Opium, Le Chevalier Double, Le Pied de Momie, Deux Acteurs pour un Rôle, Le Club des Achichins, Aria Marcella, Avatar, Jetatura. Voilà, s'il y a un titre qui vous inspire. Sinon, moi, je pensais faire La Morte Amoureuse. Et même James Cameron. Le club des hachiches. La Morte Amoureuse. Écoutez, je vais... Bon, le club, il est vers la fin. Je vais partir sur La Morte Amoureuse et... En vrai, j'hésite même à toutes les lire. Oh là là, tout le monde propose un truc différent. Écoutez, je vais les lire dans l'ordre. Je vais toutes les lire. Et puis, ben, de toute façon, tous les vendredis du mois, on va s'y mettre. Je pense qu'on aura fini le livre d'ici la fin du mois. Parce que je vous proposais beaucoup de choses, en fait, et au final, ben... Voilà. Donc, comme j'avais dit à l'époque, vis-à-vis des Kédiques, de certains en tout cas,
C'est des textes que je découvre avec vous. Il va sans dire qu'il peut y avoir des triggers que je ne sais pas. Bon, théoriquement, ça va parler de la mort et de ce genre de choses. Et de la dépression, et de l'envie de mourir. On connaît, hein. On a fait le tour. Oui, c'est ça, c'est une journée normale. T'inquiète, on est ensemble. Alors, si ça se trouve, ça va pas du tout être ça. Hein. Un jeudi, mais on est vendredi. Enfin. Putain, j'allais roter, j'ai un bâillement qui est venu à la place. Non. Mon dieu, le film Street Fighter. Dernier rôle de Raoul Julia, ça fait mal. J'ai mal pour lui. Vérifier juste... Ah oui. J'allais vérifier s'il restait encore du temps de musique. Il en reste largement. Donc, oui, il reste dans nos cœurs. Mais pour moi, il reste Gomez Adams, hein, plus que Bison. Le D-Night du Rose, c'est finalement le truc le plus horrifique de cette soirée. C'est vrai. Donc, vous vous rendez compte, vous m'avez vu réprimer un Rose. Quelle tristesse. On peut se transformer en pierre, j'ai jamais fait ça. À part dans des états seconds. Donc, on va lire, j'ai pas donné le titre, Onufruus ou les vexations fantastiques d'un admirateur d'Hoffman. Cling, cling, cling. Pas de réponse. Est-ce qu'il n'y serait pas ? Dit la jeune fille. Elle tira une seconde fois le cordon de la sonnette. Aucun bruit ne se fit entendre dans l'appartement. Il n'y avait personne. C'est étrange. Le voilà enfin. Elle se mordit la lèvre. Une rougeur de dépit passa de sa joue à son front. Elle se mit à descendre les escaliers un à un, puis... bien lentement, comme un regret, retournant la tête pour voir si la porte fatale s'ouvrait. Excellent, Mahogany. Rien. Au détour de la rue, elle aperçut de loin Onufruus, qui marchait du côté du soleil, avec l'air le plus inoccupé du monde, s'arrêtant à chaque carreau, regardant les chiens se battre et les polissons, jouer au palais, lisant des inscriptions de la muraille, épelant les enseignes comme un homme qui a une heure devant lui et n'a aucun besoin de se presser. Quand il fut auprès d'elle, l'ébahissement lui fit écarquiller les prunelles. Il ne comptait guère la trouver là. « Quoi, c'est vous ?» Déjà ? Quelle heure est-il donc ? Déjà, le mot est galant. Quant à l'heure, vous devriez le savoir. Et ce n'est guère à moi de vous l'apprendre, répondit d'un ton boudeur la jeune fille. Tout en prenant son bras, il est 11h30. Impossible, fit Onufruus. Je viens de passer devant Saint-Paul. Il n'était que 10h. Il n'y a pas 5 minutes, j'en mettrai la main au feu, je parie.
Ne mettez rien du tout et ne pariez pas, vous perdriez. Onufrius s'entêta. Comme l'église n'était qu'à une cinquantaine de pas, Jacinta, pour le convaincre, voulut bien aller jusque-là avec lui. Onufrius était triomphant. Quand ils furent devant le portail, eh bien, lui dit Jacinta. Ben, ça montre, c'est l'église quand même. On eut mis le soleil ou la lune en place du cadran, qu'il n'eût pas été plus stupéfiant. Il était 11h30 passé. Il tira son lorgnon, essuya le verre avec son mouchoir, se frotta les yeux pour s'éclaircir la vue. L'aiguille aînée allait rejoindre sa petite sœur sur le 10 de midi. Sur le X de midi. Midi, murmura-t-il entre ses dents. Il faut que quelques diablotins se soient amusés à pousser ces aiguilles. C'est bien 10 heures que j'ai vu. Jacinta était bonne. Elle n'insista pas et reprit avec lui le chemin de son atelier. Car Onufrius était peintre et en ce moment faisait son portrait. Elle s'assit dans la pose convenue. Onufrius alla chercher sa toile qui était tournée au mur et la mit sur son chevalet. Au-dessus de la petite bouche de Jacinta, une main inconnue avait dessiné une paire de moustaches qui eussent fait honneur à un tambour-major. La colère de notre artiste en voyant son esquisse ainsi barbouillée n'est pas difficile à imaginer. Il aurait crevé la toile sans les exhortations de Jacinta. Il effaça donc comme il put ses insignes virils, non sans jurer plus d'une fois après le drôle qui avait fait cette belle équipée. Mais, quand il voulut se remettre à peindre, ses pinceaux, quoiqu'il les eût trempés dans l'huile, étaient si roides et si hérissés qu'il ne put s'en servir. Il fut obligé d'en envoyer chercher d'autres. En attendant qu'ils fussent arrivés, il se mit à faire sur sa palette plusieurs tons qui lui manquaient. Autre tribulation. Les vessies étaient dures comme si elles eussent renfermé des balles de plomb. Il avait beau les presser, il ne pouvait en faire sortir la couleur. Ou bien elles éclataient tout à coup comme de petites bombes, crachant à droite, à gauche, l'ocre, la laque ou le bitume. S'il eût été seul, je crois qu'en dépit du premier commandement du décalogue, il aurait attesté le nom du Seigneur plus d'une fois. Il se contint. Les pinceaux arrivèrent. Il se mit à l'œuvre. Pendant une heure environ, tout alla bien. Ah oui, c'est vieux de dessiner des moustaches sur les affiches, ouais. Ah, c'est pire sur sa toile. Le sang commençait à courir sous les chairs, les contours se dessinaient, les formes se modelaient, la lumière se débrouillait de l'ombre. Une moitié de la toile vivait déjà. Les yeux surtout étaient admirables. L'arc des sourcils était parfaitement bien indiqué et se fondait moelleusement vers les tempes en tons bleuâtres et veloutés. L'ombre des cils adoucissait merveilleusement bien l'éclatante blancheur de la cornée. La prunelle regardait bien. L'iris et la pupille ne laissaient rien à désirer. Il n'y manquait plus que ce petit diamant de lumière, une paillette de jour que les peintres nomment point visuel. Alors j'ai une petite note de bas de page pour point visuel.
Cela correspond dans le langage de la technique picturale à un point de vue lumineux, conçu comme le lieu de convergence des rayons visuels. J'ai pas compris cette définition. Pour l'enchâsser dans son disque de jet, Jacinta avait les yeux noirs, il prit le plus fin, le plus mignon de ses pinceaux, trois poils pris à la queue d'une martre zibeline. Il le trempa vers le sommet de sa palette dans le blanc d'argent qui s'élevait à côté des ocres et des terres de sienne comme un piton couvert de neige à côté de rochers noirs. Vous eussiez dit avoir tremblé le point brillant au bout du pinceau, une gouttelette de rosée au bout d'une aiguille. Il allait se déposer sur la prunelle. Comme un coup violent dans le coude quand un coup violent dans le coude fit dévier sa main, porter le point blanc dans les sourcils et traîner le parement de son habit sur la joue encore fraîche qu'il venait de terminer. Il se détourna si brusquement à cette nouvelle catastrophe que son escabeau roula à 10 pas. Il ne vit personne. Si quelqu'un se fût trouvé là par hasard, il l'aurait certainement tué. « C'est vraiment inconcevable » dit-il en lui-même, tout troublé. « Je ne me sens pas en train. Nous ne ferons plus rien aujourd'hui. » Jacinta se leva pour sortir. Onufrius voulut la retenir. Il lui passa le bras autour du corps. La robe de Jacinta était blanche. Les doigts d'Onufrius, qui n'avait pas songé à les essuyer, y firent un arc-en-ciel. Maladroit, dit la petite, comme vous m'avez arrangé. Et ma tante qui ne veut pas que je vienne vous voir seule, qu'est-ce qu'elle va dire? Tu changeras de robe, elle n'en verra rien. Et il l'embrassa. Jacinta ne s'y opposa pas. Que faites-vous demain? Dit-elle après un silence. Moi? Rien. Et vous? Je vais dîner avec ma tante, chez le vieux monsieur de... J'avais oublié cette manie-là qu'ils avaient à l'époque de ne pas écrire les noms de famille. Ça m'a toujours énervé. Je vais dîner avec ma tante chez le vieux monsieur de Hain, que vous connaissez. Et j'y passerai peut-être la soirée. J'y serai, dit Onufrius. Vous pouvez compter sur moi. Ne venez pas plus tard que 6 heures. Vous savez, ma tante est poltronne. Et si nous ne trouvons pas chez Monsieur de Hum quelques galants chevaliers pour nous reconduire, elle s'en ira avant la nuit tombée. Bon, j'y serai à 5. À demain, Jacinta. À demain. Et il se pencha sur la rampe pour regarder la svelte jeune fille qui s'en allait. Les derniers plis de sa robe disparurent sous l'arcade et il rentra. Avant d'aller plus loin, quelques mots sur Onufrius. C'était un jeune homme de 20 à 22 ans, quoiqu'au premier abord, il parut en avoir davantage. On distinguait ensuite, à travers ses traits blêmes et fatigués, quelque chose d'enfantin et de peu arrêté, quelque forme de transition de l'adolescence à la virilité. Ainsi, tout le haut de la tête était grave et réfléchi comme un front de vieillard, tandis que la bouche était à peine noircie à ses coins d'une ombre bleuâtre, et qu'un sourire jeune errait sur 2 lèvres, d'un rose assez vif, qui contrastait étrangement avec la pâleur des joues et du reste de la physionomie. Ainsi fait, Onufrius ne pouvait manquer d'avoir l'air assez singulier. Mais sa bizarrerie naturelle était encore augmentée par sa mise en coiffure. Ses cheveux, séparés sur le front comme des cheveux de femme, descendaient symétriquement le long de ses tempes jusqu'à ses épaules, sans frisure aucune, aplatis et lustrés à la mode gothique, comme on en voit aux anges de Giotto et de Cimabue. Cimabue, peut-être.
Ça a l'air d'être un mot italien. Une ample simarre de couleur obscure tombait à plis roides et droits autour de son corps souple et mince, d'une manière toute dantesque. Il est vrai de dire qu'il ne sortait pas encore avec ce costume, mais c'est la hardiesse plutôt que l'envie qui lui manquait. Car je n'ai pas besoin de vous le dire, Onufrius était jeune France et romantique forcené. Dans la rue, et il n'y allait pas souvent, pour ne pas être obligé de se souiller de l'ignoble accoutrement bourgeois, ses mouvements étaient heurtés, saccadés, ses gestes anguleux, comme s'ils eussent été produits par des ressorts d'acier. La démarche incertaine, entrecoupée d'élans subis, de zigzags ou suspendus tout à coup, ce qui, aux yeux de bien des gens, le faisait passer pour un fou, ou du moins pour un original, ce qui ne vaut guère mieux. Onufrius ne l'ignorait pas, et c'était peut-être ce qui lui faisait éviter ce qu'on nomme le monde, et donnait à sa conversation un ton d'humeur et de causticité qui ne ressemblait pas mal à la vengeance. Aussi, quand il eût été forcé de sortir de sa retraite, pour n'importe pour quel motif, il apportait dans la société une gaucherie sans timidité, une absence de toute forme convenue, un dédain si parfait de ce qu'on y admire, qu'au bout de quelques minutes, avec trois ou quatre syllabes, il avait trouvé le moyen de se faire une meute d'ennemis acharnés. Ce n'est pas qu'il ne fût très aimable lorsqu'il voulait, mais il ne le voulait pas souvent. Et il répondait à ses amis qui lui en faisaient des reproches. À quoi bon? Car il avait des amis, pas beaucoup, deux ou trois ou plus, mais qu'il aimait de tout l'amour que lui refusaient les autres, qu'il aimait comme des gens qui ont une injustice à réparer. À quoi bon? Ceux qui sont dignes de moi et me comprennent ne s'arrêtent pas à cette écorce noueuse. Ils savent que la perle est cachée dans une coquille grossière. Les sots qui ne savent pas sont rebutés et s'éloignent. Où est le mal? Pour un fou, ce n'était pas trop mal raisonné. Onufrius, comme je l'ai déjà dit, était peintre. Il était le plus poète. Il n'y avait guère moyen que sa cervelle en réchappât, et ce qui n'avait pas peu contribué à l'entretenir dans ses exaltations fébriles, dont Jacinta n'était pas toujours maîtresse, c'était ses lectures. Il ne lisait que des légendes merveilleuses et d'anciens romans de chevalerie, des poésies mystiques, des traités de cabale, des ballades allemandes, des livres de sorcellerie et de démonographies. Avec cela, il se faisait au milieu du monde réel, bourdonnant autour de lui, un monde d'extase et de vision où il était donné à bien peu d'entrée. Du détail le plus commun et le plus positif, par l'habitude qu'il avait de chercher le côté surnaturel, il savait faire jaillir quelque chose de fantastique et d'inattendu. Vous l'auriez mis dans une chambre carrée et blanchie à la chaux sur toutes ses parois et vitrée de carreaux dépolis, il aurait été capable de voir quelques apparitions étranges tout aussi bien que dans un intérieur de Rembrandt inondé d'ombre et illuminé de fauves lueurs. Dans les yeux de son âme et de son corps, avait la faculté de déranger les lignes les plus droites et de rendre compliquées les choses les plus simples, à peu près comme les miroirs courbes ou à facettes qui trahissent les objets qui leur sont présentés et les font paraître grotesques et terribles.
Je viens de me rendre compte qu'elle est impossiblement longue, cette histoire. Ça devrait aller, on va avoir le temps. Aussi, Hoffmann et Jean-Paul le trouvèrent admirablement disposé. Ils achevèrent à eux deux ce que le légendaire avait commencé. L'imagination d'Onufrius s'échauffa et se déprava de plus en plus. Ses compositions peintes et écrites s'en ressentirent. La griffe ou la queue du diable y perçait toujours par quelque endroit. Et sur la toile, à côté de la tête suave et pure de Jacinta, grimaçait fatalement quelques figures monstrueuses, filles de son cerveau en délire. Il y avait 2 ans qu'il avait fait la connaissance de Jacinta. Et c'était une époque de sa vie où il était si malheureux que je ne souhaiterais pas d'autre supplice à mon plus fier ennemi. Il était dans cette situation atroce où se trouve tout homme qui a inventé quelque chose et qui ne rencontre personne pour y croire. Jacinta crut à ce qu'il disait sur sa parole, car l'œuvre était encore en lui, et il l'aima, comme Christophe Colomb dut aimer le premier, qui ne lui rit pas au nez lorsqu'il parla de nouveau monde, du nouveau monde qu'il avait deviné. Jacinta l'aimait comme une mère aime son fils, et il se mêlait à son amour une pitié profonde, car elle acceptait qu'il aurait aimé comme il fallut qu'il le fût. Qui l'eût consolé dans ses malheurs imaginaires, les seuls réels pour lui, qui ne vivait que d'imagination? Qui l'eût rassuré, soutenu, exhorté? Qui eût calmé cette exaltation maladive qui touchait à la folie par plus d'un point, en la partageant plutôt qu'en la combattant? Personne, à coup sûr. Et puis lui dire de quelque manière... Pardon. Et puis lui dire de quelle manière il pourrait la voir, lui donner elle-même les rendez-vous, lui faire 1000 de ces avances que le monde condamne, l'embrasser de son propre mouvement, lui en fournir l'occasion quand elle la lui voyait chercher. Une coquette ne l'eût pas fait. Mais elle savait combien tout cela coûtait au pauvre Onufrius, et elle lui en épargnait la peine. Aussi peu accoutumé qu'il était à vivre de la vie réelle, il ne savait comment s'y prendre pour mettre son idée en action. Son idée en action, oui. Les liaisons mêlent à propos. Les liaisons dangereuses. Aussi peu accoutumé qu'il était à vivre de la vie réelle, il ne savait comment s'y prendre pour mettre son idée en action. Et il se faisait des monstres de la moindre chose. Ça s'appelle l'anxiété. Ses longues méditations, ses voyages dans les mondes métaphysiques ne lui avaient pas laissé le temps de s'occuper de celle-ci. Sa tête avait 30 ans, son corps avait 6 mois. Il avait si totalement négligé de dresser la bête que si Jacinta et ses amis n'eussent pris soin de la diriger, il eût commis d'étranges bévues. En un mot, il fallait vivre pour lui, il lui fallait un intendant pour son corps, comme il en fut au grand seigneur pour leur terre. Bonne nuit, Cain. Merci d'être venu. Merci d'être venu. À bientôt. Puis, je n'ose l'avouer qu'en tremblant, dans ce siècle d'incrédulité, cela pourrait faire passer mon pauvre ami pour un imbécile. Il avait peur. De quoi? Je vous le donne à deviner en sang. Il avait peur du diable, des revenants, des esprits et de 1000 autres bilvesés. Du reste, il se moquait d'un homme et de 2, comme vous d'un fantôme. Le soir,
Il ne se fût pas regardé dans une glace pour un empire, de peur d'y voir autre chose que sa propre figure. Il n'eût pas fourré sa main sous son lit pour y prendre ses pantoufles ou quelque autre ustensile, parce qu'il craignait qu'une main froide et moite ne vînt au-devant de la sienne et ne l'attirât dans la ruelle, ni jetait les yeux dans les encoignures sombres, tremblant d'y apercevoir de petites têtes de vieilles ratatinées émanchées sur des manches à balai. Quand il était seul dans son grand atelier, il voyait tourner autour de lui une ronde fantastique. Le conseiller Tussmann, le docteur Trabaccio, le digne Peregrinus Tis, Crespel avec son violon et sa fille Antonia, l'inconnu de la maison déserte et toute la famille étrange du château de Bohême. C'était un sabbat complet, et il ne fut pas fait, il ne se fut pas fait prier pour avoir peur de son chat comme d'un autre mur. Mur, c'est écrit avec une majuscule, un U tréma et deux R. Une note de bas de page qui nous dit « Mur, liste des personnages des contes d'Hoffmann, le conseiller Tussmann dans Le choix d'une fiancée, le docteur Trabaccio, et non Trabaccio, c'est écrit différemment, dans Ignace Denner, Peregrinus Tis dans Maître Puce, Crespel et Antonia dans Le violon de Crémone, puis le narrateur fait allusion à Les brigands, aventure de deux amis dans un château en Bohême, et bien évidemment, le chat mûr. » Voilà, donc c'est des contes allemands qui l'obsèdent. Dès que Jacinta fut partie, il s'assit devant sa toile et se prit à réfléchir sur ce qu'il appelait les événements de la matinée. Le cadran de Saint-Paul, les moustaches, les pinceaux durcis, les vessies crevées et surtout le point visuel. Tout cela se représenta à sa mémoire avec un air fantastique et surnaturel. Il se creusait la tête pour y trouver une explication plausible. Il bâtit là-dessus un volume inoctavo de suppositions les plus extravagantes, les plus invraisemblables, qui soient jamais entrées dans un cerveau malade. Après avoir longtemps cherché, ce qu'il rencontra de mieux, c'est que la chose était tout à fait inexplicable, à moins que ce ne fût le diable en personne. Cette idée dont il se moquait d'abord lui-même prit racine dans son esprit, et il lui semblait moins ridicule à mesure qu'il se familiarisait avec elle. Il finit par en être convaincu. Courte pause. J'espère que ça vous plaît toujours. On est juste une seconde. J'arrive. Ça va à la voix, ça fait un peu... Ça sert un petit peu comme un coup de froid. Comme si j'avais un peu attrapé froid, mais ça va. C'est supportable encore. Ne vous inquiétez pas, je fais attention. Non, je force pas. Il reste une petite vingtaine de pages quand même. Je sais pas si je vais pouvoir la tenir jusqu'au bout, mais on va essayer. Ouais. C'est pour ça avant que j'ai dit qu'elle était impossiblement longue.
Et là, depuis le début, on a lu à peu près 10 pages, un peu moins de 10 pages. Qu'y avait-il au fond de déraisonnable dans cette supposition? L'existence du diable est prouvée par les autorités les plus respectables, tout comme celle de Dieu. C'est même un article de foi. Et Onufrius, pour s'empêcher d'en douter, compulsa sur les registres de sa vaste mémoire tous les endroits des auteurs profanes ou sacrés dans lesquels on traite de cette matière importante. Le diable rôde autour de l'homme. Jésus lui-même n'a pas été à l'abri de ses embûches. La tentation de Saint Antoine est populaire. Petit aparté, c'est mon passage préféré dans la Bible. C'est le moment où le diable essaie de tenter Jésus à le rejoindre. Et c'est trop bien. Voilà, je vous conseille ce passage si jamais ça vous intéresse. Si jamais l'étude biblique vous intéresse, c'est de la balle. La tentation de Saint Antoine, il me semble que c'est ça. Ou alors je me trompe de référence, mais voilà. Excellent passage. Martin Luther fut aussi tourmenté par Satan, et pour s'en débarrasser, fut obligé de lui jeter son écritoire à la tête. On voit encore la tache d'encre sur le mur de la cellule. Il se rappela toutes les histoires d'obsession, depuis le possédé de la Bible jusqu'aux religieuses de Loudun. Tous les livres de sorcellerie qu'il avait lus, Baudin, Del Rio, Le Loyer, Bordelon, Le Monde Invisible de Baker, L'Infernalia, Les Farfadets de Monsieur de Berguiguier, de Terre-Neuve-du-Tin, Le Grand et le Petit Albert. Et tout ce qui lui parut obscur devint clair comme le jour. C'était le diable qui avait fait avancer l'aiguille, qui avait mis des moustaches à son portrait, changé le crin de ses brosses au fil d'Archal et rempli ses vessies en poudre fulminante. Le coup dans le coude s'expliquait tout naturellement. Mais quel intérêt Belzébuth avait-il? Pouvait-il avoir à le persécuter? Était-ce pour avoir son âme? Ce n'est pas la manière dont il s'y prend. Enfin, il se rappela qu'il avait fait, il n'y a pas bien longtemps, un tableau de Saint Dunstan, tenant le diable par le nez avec des pincettes rouges. Il ne douta pas que ce ne fût que ce ne fut pour avoir été représenté par lui dans une position aussi humiliante que le diable lui faisait ses petites niches. Le jour tombait. De longues ombres bizarres se découpaient sur les planchers de l'atelier. Cette idée grandissant dans sa tête, le frisson commença à lui courir le long du dos. Et la peur l'aurait bientôt pris. Si un de ses amis n'eût fait, en entrant, diversion à toutes ces visions cornues. Il sortit avec lui, et comme personne au monde n'était plus impressionnable et que son ami était gay, un essaim de pensées folâtres eut bientôt chassé ses rêveries lugubres. Il oublia totalement ce qui était arrivé, ou, s'il s'en ressouvenait, il riait tout bas en lui-même. Le lendemain, il se remit à l'œuvre. Il travailla 3 ou 4 heures en acharnement. Quoique Jacinta fût absente, ses traits étaient si profondément gravés dans son cœur qu'il n'avait pas besoin d'elle pour terminer son portrait. Il était presque fini. Il n'y avait plus que 2 ou 3 dernières touches à poser et la signature à mettre, quand une petite peluche qui dansait avec ses frères les atomes dans un beau rayon jaune, par une fantaisie inexplicable, quitta tout à coup sa lumineuse salle de bal,
se dirigea en se dandinant vers la toile d'Onufrius et vint s'abattre sur un réau qu'il venait de poser. Petite note de bas de page sur qu'est-ce qu'un réau. C'est une retouche faite à l'aide de tons clairs afin de faire ressortir un élément dans la toile. Autrement dit, c'est de l'highlighter pour peinture. Oui, la musique elle s'emballe, il y a des lasers et tout là. C'est marrant parce que j'ai la playlist c'est Creepy Dark and Chill Music. C'est aucun des droits. Je la trouve plutôt optimiste cette musique. En vrai, je trouve que cette musique elle est bien avec toute la petite envolée où il était avec son pote et ça allait mieux. Mais là, du coup, ça ne marche plus. Je suis désolé, il faut que je change. Hein. Voilà, ça c'est plus austère. Onufrius retourna son pinceau et, avec le manche, l'enleva le plus délicatement possible. Cependant, il ne put le faire si légèrement qu'il ne découvrit le champ de la toile en emportant un peu de couleur. Il refit une teinte pour réparer le dommage. La teinte était trop foncée et faisait tache. Il ne put rétablir l'harmonie qu'en remaniant tout le morceau. Mais en le faisant, il perdit son contour, et le nez devint aquilin. De presque à la roxelane qu'il était, ce qui changeait tout à fait le caractère de la tête, ce n'était plus Jacinta, mais bien une de ses amies avec qui elle s'était brouillée, parce qu'Onufrius la trouvait jolie. L'idée du diable revint à Onufrius, à cette métamorphose étrange. Mais en regardant plus attentivement, il vit que ce n'était qu'un jeu de son imagination. Et comme la journée s'avançait, il se leva et sortit pour rejoindre sa maîtresse chez Monsieur de... Le cheval allait comme le vent. Bientôt, Onufrius vit poindre au dos de la colline la maison de Monsieur de... Blanche entre les marronniers. Comme la grande route faisait un détour, il la quitta pour un chemin de traverse, un chemin creux qu'il connaissait très bien, où tout enfant, il venait cueillir des mûres et chasser au hanneton. Il était à peu près au milieu quand il se trouva derrière une charrette à foin, que les détours du sentier l'avaient empêché d'apercevoir. Le chemin était si étroit, la charrette si large, qu'il était impossible de passer devant. Il remit son cheval au pas, espérant que la route, en s'élargissant, lui permettrait un peu plus loin de le faire. Son espérance fut trompée. C'était comme un mur qui reculait imperceptiblement. Il voulut retourner sur ses pas. Une autre charrette de foin le suivait par derrière et le faisait prisonnier. Il eut un instant... Pardon. Il eut un instant la pensée d'escalader les bords du ravin, mais ils étaient à pic et couronnés d'une haie vive. Il fallut donc se résigner. Le temps coulait, les minutes lui semblaient des éternités. Sa fureur était au comble, ses artères palpitaient, son front était perlé de sueur. Une horloge à la voix fêlée, celle du village voisin, sonna 6 heures. Aussitôt qu'elle eut fini, celle du château, dans un ton différent, sonna à son tour. Puis une autre encore. Toutes les horloges de la banlieue d'abord, successivement, ensuite tout à la fois. C'était un tutti de cloches, un concerto de timbres flûtés, ronflant, glapissant, criard, un carillon... à vous fendre la tête. Les idées d'Onufrius se confondirent. Le vertige le prit. Les clochers... La ferme ?
Les clochers s'inclinaient sur le chemin creux pour le regarder passer. Ils le montraient au doigt, lui faisaient la nique et lui tendaient, par dérision, leur cadran dont les aiguilles étaient perpendiculaires. Les cloches lui tiraient la langue en lui faisant la grimace, sonnant toujours les six coups maudits. Bizarre le son de la cloche. Cela dura longtemps. 6 heures sonnèrent ce jour-là, jusqu'à 7. Enfin, la voiture déboucha dans la plaine. Onufrius enfonça ses éperons dans le ventre de son cheval. Le jour tombait. On eût dit que sa monture comprenait combien il était important d'arriver. Ses pieds touchaient à peine la terre, et sans les aigrettes d'étincelles qui jaillissaient de loin en loin de quelques cailloux heurtés, il eût pu croire qu'elle volait. Bientôt, une blanche écume enveloppa comme une housse d'argent son poitrail d'ébène. Il était plus de 7 heures quand Onufrius arriva. Jacinta était partie. Monsieur de Hum lui fit les plus grandes politesses, se mit à causer littérature avec lui et finit par lui proposer une partie de dame. Onufrius ne put faire autrement que d'accepter, quoique toute espèce de jeu, et en particulier celui-là, l'ennuya mortellement. On apporta le damier. Monsieur de Hum prit les noirs, Onufrius les blanches. La partie commença. Les joueurs étaient à peu près de même force. Il se passa quelque temps, avant que la balance penchât d'un côté ou de l'autre. Tout à coup, elle tourna du côté du vieux gentilhomme. Ses pions avançaient avec une inconcevable rapidité, sans qu'Onufrius, malgré tous les efforts qu'il faisait, pût y apporter aucun obstacle. Préoccupé qu'il était d'idées diaboliques, cela ne lui parut pas naturel. Il redoubla donc d'attention et finit par découvrir, à côté du doigt dont il se servait pour remuer ses pions, un autre doigt, maigre, noueux, terminé par une griffe, que d'abord il avait pris pour l'ombre du sien, qui poussait ses dames sur la ligne blanche, tandis que celle de son adversaire défilait professionnellement sur la ligne noire. Il devint pâle, ses cheveux se hérissèrent sur sa tête. Cependant, il remit ses pions en place et continua de jouer. Il se persuada que ce n'était que l'ombre, et pour s'en convaincre, il changea la bougie de place. L'ombre passa de l'autre côté, et se projeta en sens inverse. Mais le doigt à griffe resta ferme à son poste, déplaçant les dames d'Onufrius et employant tous les moyens pour le faire perdre. D'ailleurs, il n'y avait aucun doute à avoir. Le doigt était orné d'un gros rubis. Onufrius n'avait pas de bague. « Pardieu, c'est trop fort !» s'écria-t-il en donnant un grand coup de poing dans le damier et en se levant brusquement. « Vieux scélérat, vieux gredin !» Monsieur de Hum, qui le connaissait d'enfance et qui attribuait cette algarade au dépit d'avoir perdu, se mit à rire aux éclats et à lui offrir d'ironiques consolations. La colère et la terreur se disputaient l'âme d'Onufrius. Il prit son chapeau et sortit. La nuit était si noire qu'il fut obligé de mettre son cheval au pas. À peine une étoile passait-elle ça et là, le nez hors de sa mantille de nuages, les arbres de la route avaient l'air de grands spectres tendant les bras. De temps en temps, un feu follet traversait le chemin. Le vent ricanait dans les branches d'une façon singulière. L'heure s'avançait et Onufrius n'arrivait pas. Cependant, les fers de son cheval sonnaient sur le pavé, montrait qu'il ne s'était pas fourvoyé. Une rafale déchira le brouillard. La lune reparut, mais au lieu d'être ronde, elle était ovale. Pardon. Onufrius, en la considérant plus attentivement, vit qu'elle avait un serre-tête de taffetas noir et qu'elle s'était mis de la farine sur les joues. Ses traits se dessinèrent plus distinctement et il reconnut, à n'en pouvoir douter,
La figure blême et allongée de son ami intime Jean-Gaspard de Bureau. Le grand paillasse des funambules, qui le regardait avec une expression indéfinissable de malice et de bonhomie. Dans une note de bas de page, de Bureau 1796-1846, célèbre mime qui créa au théâtre des funambules le rôle de Pierrot et que Gautier évoque souvent dans son histoire de l'art dramatique en France. Le ciel clignait aussi des yeux, ses yeux bleus aux cils d'or, comme s'il eût été d'intelligence. Et comme à la clarté des étoiles on pouvait distinguer les objets, il entrevit quatre personnages de mauvaise mine, habillés mi-partie rouge et noir, qui portaient quelque chose de blanchâtre sur les quatre coins, comme des gens qui changeraient un tapis de place. Ils passèrent rapidement à côté de lui et jetèrent ce qu'il portait sous les pieds de son cheval. Onufrius, malgré sa frayeur, n'eut pas de peine à voir que c'était le chemin qu'il avait déjà parcouru, et que le diable remettait devant lui pour lui faire pièce. Il piqua des deux. Son cheval fit une ruade et refusa d'avancer autrement qu'au pas. Les quatre démons continuèrent leur manège. Onufrius vit que l'un d'eux avait un doigt en rubis. Avait au doigt un rubis, pareil à celui du doigt qu'il avait si fort effrayé sur le damier. L'identité du personnage n'était plus douteuse. La terreur d'Onufrius était si grande qu'il ne sentait plus, qu'il ne voyait ni l'entendait. Ses dents claquaient comme dans la fièvre, un rire convulsif tordait sa bouche. Une fois, il essaya de dire ses prières et de faire un signe de croix et ne put en venir à bout. La nuit s'écoula ainsi. Enfin, une raie bleuâtre se dessina sur le bord du ciel. Son cheval huma bruyamment par ses naseaux l'air balsamique du matin. Le coq de la ferme voisine fit entendre sa voix grêle et éraillée. Les fantômes disparurent, le cheval prit de lui-même le galop, et, au point du jour, Onufrius se trouva devant la porte de son atelier. Harassé de fatigue, il se jeta sur un divan et ne tarda pas à s'endormir. Son sommeil était agité. Le cauchemar lui avait mis les genoux sur l'estomac. Il fit une multitude de rêves incohérents, monstrueux, qui ne contribuèrent pas peu à déranger sa raison déjà ébranlée. En voici un qu'il avait frappé et qu'il m'a raconté plusieurs fois depuis. J'étais dans une chambre qui n'était pas la mienne, celle d'aucun de mes amis. Une chambre où je n'étais jamais venu, et que cependant je connaissais parfaitement bien. Les jalousies étaient fermées, les rideaux tirés. Sur la table de nuit, une pâle veilleuse jetait sa lueur agonisante. On ne marchait que sur la pointe des pieds, les doigts sur la bouche, des fioles, des tasses encombraient la cheminée. Moi, j'étais au lit, comme si j'eusse été malade. Et pourtant, je ne m'étais jamais mieux porté. Les personnes qui traversaient l'appartement avaient un air triste et affairé, qui semblait extraordinaire. Jacinta était à la tête de mon lit, qui tenait sa petite main sur mon front et se penchait vers moi pour écouter si je respirais bien. De temps en temps, une larme tombait sur ses cils sur mes joues, et elle l'essuyait légèrement avec un baiser. Ces larmes me fendaient le cœur, et j'aurais bien voulu la consoler, mais il m'était impossible de faire le plus petit mouvement ou d'articuler une seule syllabe. Ma langue était clouée à mon palais, mon corps était comme pétrifié. Un monsieur vêtu de noir entra, me tâta le pouls, hocha la tête d'un air découragé et dit tout haut
c'est fini. Alors Jacinta se prit à sangloter et se tordre les mains et à donner toutes les démonstrations de la plus violente douleur. Tous ceux qui étaient dans la chambre en firent autant. Ce fut un concert de pleurs et de soupirs à apitoyer un roc. J'éprouvais un certain plaisir d'être regretté ainsi. On me présenta une glace devant la bouche. Je fis des efforts prodigieux pour la ternir de mon souffle afin de montrer que je n'étais pas mort. Je ne pus en venir à bout. Après cette épreuve, on me jeta le drap par-dessus la tête. J'étais au désespoir. Je voyais bien qu'on me croyait trépassé et que l'on allait m'enterrer tout vivant. Tout le monde sortit. Il ne resta qu'un prêtre qui marmonna des prières et qui finit par s'endormir. Le croque-mort vint, qui me prit mesure d'une bière et d'un linceul. J'essayais encore de me remuer et de parler, ce fut inutile. Un pouvoir indicible m'enchaînait. Force me fut de me résigner. Je restai ainsi beaucoup de temps, en proie aux plus douloureuses réflexions. Le croque-mort revint avec mes derniers vêtements, les vêtements de tout homme, la bière et le linceul. Il n'y eut plus qu'à m'en accoutrer. Il m'entortilla dans le drap et se mit à me coudre sans précaution comme quelqu'un qui a hâte d'en finir. La pointe de son aiguille m'entrait dans la peau et me faisait des milliers de piqûres. Ma situation était insupportable. Quand ce fut fait, un de ses camarades me prit par les pieds, puis par la tête. Ils me déposèrent dans la boîte. Elle était un peu juste pour moi, de sorte qu'ils furent obligés de me donner de grands coups sur les genoux pour pouvoir enfoncer le couvercle. Ils en vinrent à bout à la fin, et l'on planta le premier clou. Cela faisait un bruit horrible. Le marteau rebondissait sur les planches, et j'en sentais le contre-coup. Tant que l'opération dura, je ne perdis pas tout à fait l'espérance, mais au dernier clou, je me sentis défaillir. Mon cœur se serra, car je compris qu'il n'y avait plus rien de commun entre le monde et moi. Ce dernier clou me rivait au néant pour toujours. Alors seulement je compris toute l'horreur de ma position. On m'emporta. Le roulement sourd des roues m'apprit que j'étais dans le corbillard. Car bien que je ne pusse manifester mon existence d'aucune manière, je n'étais privé d'aucun de mes sens. La voiture s'arrêta. On retira le cercueil. J'étais à l'église. J'entendais parfaitement le chant nasillard des prêtres. Je voyais briller à travers les fentes de la bière la lueur jaune des cierges. La messe finie, on partit pour le cimetière. Quand on me descendit dans la fosse, je ramassai toutes mes forces. Et je crois que je parvins à pousser un cri. Mais le fracas de la terre qui roulait sur le cercueil le couvrit entièrement. Je me trouvais dans une obscurité palpable et compacte, plus noire que celle de la nuit. Du reste, je ne souffrais pas, corporellement du moins. Quant à mes souffrances morales, il faudrait un volume pour les analyser. L'idée que j'allais mourir de faim ou être mangé au ver sans pouvoir l'empêcher se présenta la première. Ensuite, je pensais aux événements de la veille, à Jacinta, à mon tableau qui aurait eu tant de succès au salon, à mon drame qui allait être joué à une partie que j'avais projetée avec mes camarades, à un habit que mon tailleur devait me rapporter ce jour-là. Que sais-je, moi, à mille choses dont je n'aurais guère dû m'inquiéter. Puis revenant à Jacinta, je réfléchis sur la manière dont elle s'était conduite. Je repassais chacun de ses gestes, chacune de ses paroles, dans ma mémoire. Je crus me rappeler qu'il y avait quelque chose d'outré et d'affecté dans ses larmes, dont je n'aurais pas dû être la dupe. Cela me fit ressouvenir de plusieurs choses que j'avais totalement oubliées. Plusieurs détails auxquels je n'avais pas pris garde, considérés sous un nouveau jour, me parurent d'une haute importance.
Les démonstrations que j'aurais jurées sincères me semblèrent louches. Il me revint dans l'esprit qu'un jeune homme, un espèce de femme moitié cravate, moitié éperon, lui avait autrefois fait la cour. Un soir, nous jouions ensemble. Jacinta m'avait appelé du nom de ce jeune homme au lieu du mien, signe certain de préoccupation. D'ailleurs, je savais qu'elle en avait parlé favorablement dans le monde à plusieurs reprises, et comme de quelqu'un qui ne lui déplairait pas. Il y a la voix qui s'en va, petit à petit. Cette musique ne va pas du tout. Parce qu'on n'a pas fini de raconter le cauchemar. Cette idée s'empara de moi. Ma tête commença à fermenter. Je fis des rapprochements, des suppositions, des interprétations. Comme on doit bien le penser, elles ne furent pas favorables à Jacinta. Un sentiment inconnu se glissa dans mon cœur et m'apprit ce que c'était que souffrir. Si on pouvait ne pas m'interrompre à l'oral. Je devins horriblement jaloux. Et je ne doutais pas que ce ne fût Jacinta qui, de concert avec son amant, ne m'eût fait enterrer tout vif pour se débarrasser de moi. Je pensais que peut-être, en ce moment même, il riait à gorge déployée du succès de leur stratagème. Et que Jacinta livrait au baiser de l'autre cette bouche qui m'avait juré tant de fois n'avoir jamais été touchée que par d'autres lèvres que les miennes. À cette idée, j'entrai dans une fureur telle que je repris la faculté de me mouvoir. Je fis un soubresaut si violent que je rompis d'un seul coup les coutures de mon linceul. Quand j'eus les jambes et les bras libres, je donnai de grands coups de coude et de genoux au couvercle de la bière pour le faire sauter et aller tuer mon infidèle au bras de son lâche et misérable galant. Pas possible cette histoire. Oui, donc son lâche et misérable galant. Sanglante dérision, moi, enterré, je voulais donner la mort. Le poids énorme de la terre qui pesait sur les planches rendit mes efforts inutiles. Épuisé de fatigue, je retombai dans ma première torpeur. Mes articulations s'ossifièrent. Du verbe ossifier, hein. Rien à voir avec le saucisson. De nouveau, je redevins un cadavre. Mon agitation mentale se calma. Je jugeai plus sainement les choses, les souvenirs de tout ce que la jeune femme avait fait pour moi. Son dévouement, ses soins, qui ne s'étaient jamais démentis, eurent bientôt fait évanouir ses ridicules soupçons. Mes articulations s'ossifièrent. Mes articulations s'ossiflèrent. Ayant usé tous mes sujets de méditation et ne sachant comment tuer le temps, je me fis à faire des vers. Dans ma triste situation, il ne pouvait pas être fort gai. Ceux du Nocturne Yang et du Sépulcral Hervey ne sont que des bouffonneries. Comparé à cela, j'y dépeignais les sensations d'un homme, conservant sous terre toutes les passions qu'il avait eues dessus. Et j'intitulais cette rêverie cadavéreuse « La vie dans la mort ». Un beau titre, sur ma foi.
Et ce qui me désespérait, c'était de ne pouvoir les réciter à personne. Je vais pas relever vos bêtises. J'avais à peine terminé la dernière strophe que j'entendis piocher avec ardeur au-dessus de ma tête. Un rayon d'espérance illumina ma nuit. Les coups de pioche se rapprochaient rapidement. La joie que je ressentis ne fut pas de longue durée. Les coups de pioche cessèrent. Non. L'on ne peut rendre avec des mots humains l'angoisse abominable que j'éprouvais en ce moment. La mort réelle n'est rien en comparaison. Enfin, j'entendis encore du bruit. Les fossoyeurs, après s'être reposés, avaient repris leur besogne. J'étais au ciel. Je sentais ma délivrance s'approcher. Le dessus du cercueil sauta. Je sentis l'air frais de la nuit. Cela me fit grand bien, car je commençais à étouffer. Cependant, mon immobilité continuait. Quoique vivant, j'avais toutes les apparences d'un mort. Deux hommes me saisirent. Voyant les coutures du linceul rompu, ils les échangèrent en ricanant quelques plaisanteries grossières, me chargèrent sur leurs épaules et m'emportèrent. Tout en marchant, ils chantonnaient à demi-voix des couplets obscènes. Cela me fit penser à la scène des fossoyeurs dans Hamlet. Et je me dis en moi-même que Shakespeare était un bien grand homme. Ça n'a rien à voir avec rien. Bonsoir Green Lantern. Nous, ça va bien. Je commence à galérer un peu avec la voix, mais sinon ça va. J'espère que toi aussi ça va bien. Après m'avoir fait passer par bien des ruelles détournées. Mais la musique, ça va pas du tout. Non, mais c'est de la musique de l'espace, c'est bon. Voilà. Haunting Atmospheric Soundscape. Très bien. Incroyable cette playlist, c'est censé faire peur. Oh là là. C'est censé faire blur, il y avait de la musique épique de trailer. Après m'avoir fait passer par bien des ruelles détournées, ils entrèrent dans une maison que je reconnus pour être celle de mon médecin. C'était lui qui m'avait fait déterrer afin de savoir de quoi j'étais mort. On me déposa sur une table de marbre. Le docteur entra avec une trousse d'instruments. Il les étala complaisamment sur une commode. À la vue de ses scalpels, de ses bistouris, de ses lancettes, de ses scies d'acier luisantes et polies, j'éprouvai une frayeur horrible. Car je compris qu'on allait me disséquer. Mon âme, qui jusque-là n'avait pas abandonné mon corps, n'hésita plus à me quitter. Au premier coup de scalpel, elle était tout à fait dégagée de ses entraves. Elle aimait mieux subir tous ces désagréments d'une intelligence dépossédée de ses moyens de manifestation physique que de partager avec mon corps ces effroyables tortures. D'ailleurs, il n'y avait plus espérance de le conserver. Il allait être mis en pièces et n'aurait pu servir à grand-chose quand même ce déchiquetement ne l'eût pas tué pour de bon. Ne voulant pas assister au dépècement de sa chère enveloppe, mon âme se hâta de sortir. Elle traversa rapidement une enfilade de chambres et se trouva sur l'escalier. Par habitude, je descendis les marches une à une, mais j'avais besoin de me retenir car je me sentais une légèreté merveilleuse. J'avais beau me cramponner au sol, une force invincible m'attirait en haut. C'était comme si j'eusse été attaché à un ballon gonflé de gaz. La terre fuyait mes pieds. Je n'y touchais que par l'extrémité des orteils. Je dis des orteils, car bien que je ne fusse qu'un pur esprit, j'avais conscience
J'avais conservé le sentiment des membres que je n'avais plus. À peu près comme un amputé qui souffre de son bras ou de sa jambe absente. Lassé de ses efforts pour rester dans une attitude normale, et du reste, ayant fait réflexion que mon âme immatérielle ne devait pas se voiturer d'un lieu à l'autre par les mêmes procédés que ma misérable guenille de corps, je me laissais faire à cet ascendant. Et je commençais à quitter terre sans pourtant m'élever trop. Et me maintenant dans la région moyenne. Bientôt, je m'enhardis et je volais tantôt haut, tantôt bas, comme si je n'eusse fait autre chose de ma vie. Il commençait à faire jour. Je montais, regardant aux vitres les démansardes des grisettes qui se levaient en faisant leur toilette. Me servant des cheminées comme de tubes acoustiques pour entendre ce qu'on disait dans les appartements. Je dois dire que je ne vis rien de bien beau et que je ne recueillis rien de piquant. Accoutumant à ces façons d'aller, je planais sans crainte dans l'air libre, au-dessus du brouillard, et je considérais de haut cette immense étendue de toit qu'on prendrait pour une mer figée au moment d'une tempête, ce chaos hérissé de tuyaux, de flèches, de dômes, de pignons, baignés de brume et de fumée, si beau, si pittoresque, que je ne regrettais pas d'avoir perdu mon corps. Le Louvre m'apparut blanc et noir, son fleuve à ses pieds, ses jardins verts à l'autre bout. La foule s'y portait. Il y avait exposition. J'entrais. Bonsoir, Luigi. Les murailles flamboyaient, diaprées de peintures nouvelles, chamarrées de cadres d'or richement sculptés. Les bourgeois allaient, venaient, se coudoyaient, se marchaient sur les pieds, ouvraient des yeux hébétés, se consultaient les uns les autres comme des gens dont on n'a pas encore fait la vie, et qui ne savent ce qu'ils doivent penser et dire dans la grande salle, au milieu des tableaux de nos jeunes grands maîtres, de la croix, Ingres, des camps, je ne sais pas. J'aperçus mon tableau à moi. La foule se serrait autour. C'était un rugissement d'admiration. Ceux qui étaient derrière et ne voyaient rien criaient deux fois plus fort. Prodigieux, prodigieux! Mon tableau me sembla moi-même beaucoup mieux qu'avant. Et je me sentis saisi d'un profond respect pour ma propre personne. Cependant, à toutes ces formules admiratives se mêlait un nom qui n'était pas le mien. Je vis qu'il y avait là-dessous quelques supercheries. J'examinai la toile avec attention. Un nom en petit caractère rouge était écrit à l'un de ses coins. C'était celui d'un de mes amis qui, me voyant mort, ne s'était pas fait scrupule de s'approprier mon œuvre. Oh alors, que je regrettais mon pauvre corps! Je ne pouvais ni parler ni écrire, je n'avais aucun moyen de réclamer ma gloire et de démasquer l'infâme plagiaire. Le cœur navré, je me retirai tristement pour ne pas assister à ce triomphe qui m'était dû. Je voulus voir Jacinta. J'allais chez elle, je ne la trouvais pas, je la cherchais vainement, dans plusieurs maisons où je pensais qu'elle pourrait être. Ennuyé d'être seul, quoiqu'il fût déjà tard, l'envie me prit d'aller au spectacle. J'entrai à la porte Saint-Martin. Je fis réflexion que mon nouvel état avait cela d'agréable que je passais partout sans payer. La pièce finissait, c'était la catastrophe. Dorval, l'œil sanglant, noyé de larmes, les lèvres bleues, les tempes livides, échevelées, à moitié nues, se tordait sur l'avant-scène à deux pas de la rampe. Bocage, fatal et silencieux, se tenait debout, dans le fond. Tous les mouchoirs étaient en jeu. Les sanglots brisaient les corsets. Un tonnerre d'applaudissements entrecoupait chaque râle de la tragédienne. Le parterre noir de tête houlait comme une mer. Les loges se penchaient sur les galeries sur le balcon.
La toile tomba. Je crus que la salle allait crouler. C'était des battements de mains, de trépignements, des hurlements. Or, cette pièce était ma pièce. Jugez. J'étais grand à toucher le plafond. Le rideau se leva. On jeta à cette foule le nom de l'auteur. Ce n'était pas le mien. C'était le nom de l'ami qui m'avait déjà volé mon tableau. Les applaudissements redoublèrent. On voulait traîner l'auteur sur le théâtre. Le monstre était dans une loge obscure avec Jacinta. Quand on proclama son nom, elle se jeta à son cou et lui appuya sur la bouche le baiser le plus enragé que jamais femme ait donné à un homme. Plusieurs personnes la virent. Elle ne rougit même pas. Elle était si enivrée, si folle et si fière de son succès qu'elle se serrait, je crois, prostituée à lui dans cette loge et devant tout le monde. Plusieurs voix crièrent « Là, le voilà, le voilà !» Le drôle prit un air modeste et salua profondément. Le lustre qui s'éteignit mit fin à cette scène. Je n'essaierai pas de décrire ce qui se passait devant moi. La jalousie, le mépris, l'indignation se heurtaient dans mon âme. C'était un orage, d'autant plus furieux que je n'avais aucun moyen de le mettre au dehors. La foule s'écoula. Je sortis du théâtre. J'errai quelque temps dans la rue. Ne sachant où aller, la promenade ne me réjouissait guère. Elle sifflait une bise piquante. Ma pauvre âme, frileuse comme l'était mon corps, grelottait et mourait de froid. Bonne nuit, Chapignon, merci d'être venu. Repose-toi bien. Je pense que celui-ci, je mettrai... je sais pas. Ouais, si, je mettrai un replay. Je rencontrai une fenêtre ouverte. J'entrai, résolu de gîter dans cette chambre jusqu'au lendemain. La fenêtre se ferma sur moi. J'aperçus, assis dans une grande bergère, à ramage, un personnage des plus singuliers. C'était un grand homme, maigre, sec, poudré, à frimas. La figure ridée comme une vieille pomme, une énorme paire de besicles à cheval sur un maître nez, baisant presque le menton, une petite estafilade transversale, semblable à une ouverture de tirelire, enfouie sous une infinité de plis et de poils, roides comme des soies de sanglier, représentait tant bien que mal ce que nous appellerons une bouche. Faute d'autres termes. Un antique habit noir, limé jusqu'à la corde, blanc sur toutes les coutures, une veste d'étoffe changeante, une culotte courte, des bas chinés et des souliers à boucles. Voilà pour le costume. À mon arrivée, ce digne personnage se leva et alla prendre dans une armoire deux brosses, faites d'une manière spéciale. Je n'en pus deviner d'abord l'usage. Il en prit une dans chaque main et se mit à parcourir la chambre avec une agilité surprenante, comme s'il poursuivait quelqu'un. Et choquant ses brosses l'une contre l'autre du côté des barbes, je compris alors que c'était le fameux Monsieur Berbiguier de Terre-Neuve-du-Tain qui faisait la chasse aux farfadets. J'étais fort inquiet de ce qui allait arriver. Il semblait que cet hétéroclite individu eût la faculté de voir l'invisible. Il me suivait exactement et j'avais toutes les peines du monde à lui échapper. Enfin, il m'accula dans une encoignure. Il brandit ses deux fatales brosses. Des millions de dards me criblèrent l'âme. Chaque crin faisait un trou. La douleur était insoutenable. Oubliant que je n'avais ni langue ni poitrine, je fis de merveilleux efforts pour crier. Onufrius en était là de son rêve lorsque j'entrai dans l'atelier. Il criait effectivement à pleine gorge. Je le secouai. Il se frotta les yeux et me regarda d'un air hébété. Enfin, il me reconnut et me raconta, ne sachant trop s'il avait veillé ou dormi, la série de ses tribulations que l'on vient de lire. Ce n'était pas, hélas, les dernières qu'il devait éprouver réellement ou non. Depuis cette nuit fatale,
Il resta dans un état d'hallucination presque perpétuel, qui ne lui permettait pas de distinguer ses rêveries d'avec le vrai. Pendant qu'il dormait, Jacinta avait envoyé chercher le portrait. Elle aurait bien voulu y aller elle-même, mais sa robe tachée l'avait trahie auprès de sa tante, dont elle n'avait pu tromper la surveillance. Onufrius, on ne peut plus désappointé de ce contretemps, se jeta dans un fauteuil, et les coudes sur la table se prit tristement à réfléchir. Ses regards flottaient devant lui sans se fixer particulièrement sur rien. Le hasard fit qu'ils tombèrent sur une grande glace de Venise à bordure de cristal qui garnissait le fond de l'atelier. Aucun rayon de jour ne venait s'y briser, aucun objet n'y réfléchissait assez exactement pour que l'on pût en apercevoir les contours. Cela faisait un espace vide dans la muraille, une fenêtre ouverte sur le néant, d'où l'esprit pouvait plonger dans les mondes imaginaires. Comment ça s'attire, Morgani? De quoi tu parles? Ma voix? C'était un choix de jeu. Je suis bonne actrice. Les prunelles d'Onufrius fouillaient ce prisme profond et sombre, comme pour en faire jaillir quelque apparition. En vrai, ça va, la voix, ça s'est calmé un peu. Ça va mieux, là. Il se pencha et vit son reflet double. Il pensa que c'était une illusion d'optique, mais en examinant plus attentivement, il trouva que le second reflet ne lui ressemblait en aucune façon. Il crut que quelqu'un était entré dans l'atelier sans qu'il l'eût entendu. Il se retourna. Personne. L'ombre continuait cependant à se projeter dans la glace. C'était un homme pâle, ayant au doigt un gros rubis. Pareil au mystérieux rubis qui avait joué un rôle dans les fantasmagories de la nuit précédente. Onufrius commençait à se sentir mal à l'aise. Tout à coup, le reflet sortit de la glace, descendit dans la chambre, vint droit à lui, le força à s'asseoir et malgré sa résistance, lui enleva le dessus de la tête comme on ferait de la calotte d'un pâté. Parce que la musique, c'est encore un scandale. L'opération finie, il mit le morceau dans sa poche et s'en retourna par où il était venu. Onufrius, avant de le perdre tout à fait de vue dans les profondeurs de la glace, apercevait encore à une distance incommensurable son rubis qui brillait comme une comète. Du reste, cette espèce de trépan... ne lui avait fait aucun mal. Seulement au bout de quelques minutes, il entendit un bourdonnement étrange au-dessus de sa tête. Il leva les yeux et vit que c'était ses idées qui, n'étant plus contenues par la voûte du crâne, s'échappaient en désordre comme des oiseaux dont on ouvre la cage. Chaque idéal de femme qu'il avait rêvé sortir avec son costume, son parler, son attitude. Nous devons dire à la louange d'Onufrius qu'elles avaient l'air de sœurs jumelles de Jacinta. Des héroïnes des romans qu'il avait projetés. Chacune de ces dames avait son cortège d'amants, les unes en côte armoriée du Moyen-Âge, les autres en chapeau et en robe de 1832. Les types qu'il avait créés, grandioses, grotesques ou monstrueux, les esquisses de ses tableaux à faire, de toute nation et de tout temps, ses idées métaphysiques sous la forme de petites bulles de savon, les réminiscences de ses lectures, tout cela sortit pendant une heure au moins. L'atelier en était plein. Ces dames et ces messieurs se promenaient en long et en large sans se gêner de le moins du monde, causant, riant, se disputant, comme s'ils eussent été chez eux.